Le château de Buda. 7 pouces mènent à château de Buda. Le château de Buda est le bâtiment le plus important de Budapest, situé à côté du Danube sur la place Szent György. À partir du 3e siècle, il était habité par des rois hongrois. Sa longueur est d'environ 1,5 km, hauteur 175 mètres et largeur environ 400 mètres. La Galerie nationale hongroise, la Bibliothèque nationale Széchenyi et le Musée d'histoire de Budapest se trouvent ici. Le quartier du château de Buda est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Quand je marche dans le château, je ne manque jamais de savourer les crèmes de Roussevourg. Là se trouve le meilleur crème du monde. La confiserie Roussevourg est la plus ancienne dynastie de confiserie de Budapest en activité depuis 1827. Son mobilité date du 19e siècle. Comme vous voyez, cette fauteuil est un peu ancien, mais il est très beau. L'une de nos plus grandes églises date du passé historique et l'église Matthias, plus connue sous le nom du Assomption de la Sainte Vierge à Budavár. La construction de l'église a commencé en 1200, puis a subi plusieurs transformations au cours des siècles. Sa façade est décorée de riches motifs, sculptures et reliefs. La façade est dominée par le bois, l'or et les murs peints. Ah, regarde, c'est une très beau salle. Oui, c'est très bien. Je veux 7 coins, alors il faut 200 forints, 1 cent, 200 et 5 forints. Comme ça. Et là, je peux. Regardez, c'est ça, c'est le bâtiment de pêche, le bastion de pêche. Le bastion des pêcheurs est l'un des monuments les plus communs de l'Hongrie. En raison du panorama unique de Budapest, c'est l'une des attractions touristiques les plus importantes. Il mesure 140 mètres de long, parallèle au Danube, que vous pourrez longer.
Galerie nationale en France est la plus grande collection publique de Hongrie qui documente et présente les beaux-arts. Le musée fonctionne depuis 1957 et est actuel situé au château de Buda. On salue avec le château de Buda et avec Tammy. Au revoir! Merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, subscribe, je t'ai Patrick. Au revoir!